Salut tout le monde, c'est Stackalawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode sur Europa Universalis 4. Ça va être mon premier let's play. Donc, on va jouer avec un joueur. Si vous n'avez pas vu la vidéo tuto, je vous invite à y aller le voir si vous ne connaissez pas le jeu. Malgré que je vous ai aidé quand même à apprendre quand même, je vais vous redire un peu ça. Donc là aussi, on va choisir notre nation. Les options, on va pas changer ça. Ici, on peut se mettre que ce soit plus facile, puis tout ça. Ou si on joue en multijoueur. Mode Iron Man. Je pense qu'il faut l'avoir avec Steam. Mais bon, je l'ai pas le jeu avec Steam. Donc, j'ai pas l'option. J'ai, comme vous avez vu dans la vidéo. La vidéo. Vidéo tuto, voyons, j'avais. On va prendre la Moscovie, juste vous montrer un peu my talent. Je vais montrer ma meilleure partie, c'est avec la France. Qu'on voit déjà Moscovie. Donc, vous voyez le potentiel qu'on peut avoir. On peut quand même avoir beaucoup. Exactement aussi, on a été loin. Mais ça, c'est moi, je joue la France. Donc, j'ai une partie de l'Espagne, l'Italie, je veux dire. Oui, c'est une partie de l'Espagne. J'ai séparé l'Espagne avec Castille. Donc, on a Castille et Espagne, c'est assez rare. J'ai pris de l'Irlande, de l'Angleterre. C'est pas mal d'Afrique. Ici, j'ai un méchant empire colonial. J'ai tous les États-Unis. Bon, ici, je suis contre Pays-Bas. En haut, on est en guerre contre l'Espagne, Pays-Bas. Une guerre de coalition. Je parlerai de coalition plus tard. Ou sinon, il y a celle-là aussi que j'ai bien joué avec le Japon. Bon, j'ai déjà pas toutes, mais c'est déjà bon, là. J'ai ici. J'avais conquis toute Ming. Donc, ici, là. Puis ben j'avais plus ça. J'avais pris tout ça, donc c'est quand même bon là. Très gros, j'avais commencé à coloniser. Je voulais aller coloniser les Amériques avec le Japon. La Russie a été créée déjà en 1621. Mais tu sais, ici, en 1751, elle m'a pas créé. Donc ouais, parce qu'ici, il n'y a pas attaqué Kazan, il a juste colonisé. Donc, nous, notre but, ça va être d'avoir. Ça va être de créer la Russie avec Moscovie. Donc, on va jouer. Donc, là, un petit temps de chargement le temps qu'on arrive. Donc après on va aller checker, donc on va tout de suite se mettre en carte politique. On va choisir une mission, dans l'épisode j'avais pris Conquérir Torzok qui est juste ici. Donc pour créer la Russie, il nous faut Moscou, Novgorod, Tver. Tver, lui il faudrait que le conquis. Sinon, il me faut Yaroslav qui est mon vassal, donc c'est correct. Ryazan, il faudrait que j'attaque aussi. Smolensk, il est en Lituanie. Nizhny Novgorod, je pense que je l'avais trouvé. Ah, il est ici, donc oui, je l'ai. Et que j'ai Vladimir. Attends, on va checker. Si tu cliques F ou si tu cliques ce bouton-là, on peut voir. Où chercher pour faire la recherche. Donc oui, je l'ai déjà. Donc tout ce qu'il me faut, c'est. Oh non, ok, il faut que je crois que je conquis Ryazan. Soit que je conquis Smolensk. Soit que je conquis. Ok, dans le fond, je vais juste prendre celle-là. Puis avoir ça, puis je vais être correct. Puis Novgorod. T'as Novgorod, c'est obligatoire. Ouais, Novgorod, c'était obligatoire. Donc, il faudra que je conquis ce territoire.
que j'annexe celle-là puis que je conquis celle-là. Ok, donc là, j'ai déjà un casus belli contre eux puisque j'ai pris la mission. Donc là, je vais fabriquer, falsifier une revendication, donc se faire un casus belli dans les actions clandestines. Donc dans la section diplomatie. Là, je peux pas faire une revendication sur Riazan puisque c'est la capitale. Puis la capitale, on ne veut pas la prendre. Donc là, je vais fabriquer une revendication. On ne sait pas combien de temps que ça va nous prendre. On va augmenter la vitesse déjà. Sinon, on va aller voir. Notre leader est assez pourri. On a une bonne économie. Donc ici, c'est l'argent. On voit qu'on gagne 5,67. Notre héritier est quand même bon. 3, 4, 5. On va choisir des conseillers. Je vais prendre de meilleures relations avec le temps. Parce que ça va améliorer nos relations avec nos vassaux, puis qu'on voudra les annexer. Après 10 ans, donc en 1454, je pourrais les annexer. Sinon, lui, coût de la technologie militaire, je suis pas encore proche. Je pense que c'est 720, puis je suis à 65, puis je gagne 5 par mois, donc ça va prendre du temps. Donc je vais mettre limite des effectifs terrestres, donc ça c'est les effectifs. Donc la limite va être 10% plus haute. Sinon, ici, coût de la stabilité, je pourrais l'augmenter, mais ça me tente pas tout de suite. Je vais prendre risque de révolte moins 3 parce que j'en ai un petit peu, on va aller voir ça. Là j'en ai plus, mais tantôt j'en avais. Ok, je peux avoir une décision nationale, donc ici. Donc, force des missionnaires plus 1, j'étudie. Ça va me faire plus 1%, ça me fait que non, ça servira à rien. Puis ça réduit. Donc, pour l'instant, je ne vais pas le prendre. Risque de révolte, puis j'ai pas besoin d'argent. Donc, non, je ne prends rien pour l'instant. Donc là, je pourrais tout de suite déclarer la guerre ici. Mais moi, je vais me faire une alliance avec eux. Puisqu'ils sont proches, puis ils possèdent Suède et Norvège comme en relation personnelle. Donc, ça, c'est un peu comme le Canada, puis l'Angleterre, comme j'ai dit. Puis, je voudrais aller dans la section relations, ici, améliorer les relations. Confirme, là, il va améliorer les relations. Donc, déjà, ça a augmenté de 3. Ok, là on a plein de pop-up qui nous disent que l'Autriche s'allie avec plein de pays. Ce qui est normal puisque c'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Puis s'il veut avoir des votes, ben il faut qu'il soit en bonne entente. Donc Riazan, d'après moi, je pourrais les attaquer sans pas de problème. Mais Novgorod, je préfère avoir un allié. Donc, on va peut-être attaquer Riazan en premier. Avec Tver. Tver, ouais. Donc, ok, ça. Il va peut-être nous rester encore 200 jours. Donc, on est au max. Sinon, qu'est-ce qu'on peut aller checker? Donc, notre économie est encore bon avec. Les autres pouvoirs, économie, on peut checker ici. Y aurait-il une autre qui nous rapporterait plus d'argent? Peut-être celle-là. À la place de. Ici, lui, il transfère la puissance. Attends, ici, j'ai combien de pourcentage? J'ai 15%. Et ici, j'ai. 24%, 24%, c'est à peu près 5,5. Donc, je gagne combien d'argent? 1,7. Ça, c'est avec l'argent qu'on transporte. On enlève 1,41. Bon, c'est quand même bon. D'après moi, ça va être correct. Bon, notre agent a été repéré par Riazan. Donc, je pense que ça ralentit un petit peu ou non. Je pense que ça fait juste dégrader leur relation avec moi ici à réaliser
des actions clandestines. Donc c'est bientôt fini. On va aller voir notre armée. Ça reprend pas le problème. On a un bon général, 3-4-3. Ils ont juste 5 hommes, ils sont alliés avec juste eux qui ont 2 hommes. Donc on devrait être correct, mais on peut construire 8 autres soldats. Donc on va les construire tout de suite. On est ici dans construire. Donc déjà, on check régiment 12-3. Donc ça veut dire qu'on a 12 000 infanterie et 3 000 cavalerie. Donc on va construire plus de cavalerie que d'infanterie dans ça. On va construire. Tiens, 3 comme ça. Puis je pense qu'on peut en construire 7. Donc on va faire 4. Oh, ben je peux pas, j'ai pas assez d'argent. Bon, on va construire ça, c'est 6 sous. Ok, c'était 8. Donc dès que ça a fini, on va. Les gens vont attendre nos hommes peut-être. Ça va finir dans quelques jours. Et voilà, on a un casus belli, donc on peut aller tout de suite en guerre. Ils se sont alliés avec d'autres mondes, ok? Non. Puis ils sont en guerre contre Karakoyunlu. Karakoyunlu est ici. Non. En guerre contre Géorgie. Puis Ryazan. Mais bon. Et je pense pas qu'ils vont aller en guerre contre. Bon, mes hommes commencent à apparaître. Ok, donc ça. Hop. Je pense que j'ai splitté mon armée en deux. Hop, on va les rejoindre ici. Lui aussi. Hop. Déjà, mes vassaux pourront le prendre. Donc, non, je vais pas diviser mes armées. Je vais tout de suite aller sur Ryazan, prendre les territoires, puis après aller sur Tver. Déclarer la guerre. Prendre la province de Toula. Diplomate est arrivé. Bastien Tver a pas l'air d'avoir revenu. Donc ici, on a plusieurs affaires qui arrivent comme ça. Réduisons l'indépendance de l'Église. L'Église est une institution puissante, mais ce qui est le plus important, une institution riche. Si nous pouvions régner sur l'Église et mieux intégrer à l'État, nous pourrions en obtenir davantage à l'impôt. Cependant, cela endommagerait son autorité vis-à-vis du peuple. Donc, ça va dans l'onglet religion. Ici, on voit l'autorité patriarcale. Donc, on peut pas aller en dessous de 0. Donc, on peut. Ça ferait rien. Puis ça nous augmenterait. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on augmente de 5%? Ça va nous donner moins de risques de révolte, plus d'effectifs, et mais moins d'impôts. Donc, je vais le prendre quand même, parce que j'ai quand même beaucoup d'argent. Oh non, je suis en train de perdre de l'argent. Bon, tant pis. Donc, on a gagné la bataille. Eux, ils s'en vont à tout là. Je vais sélectionner l'armée. Donc, on peut la diviser en deux. Détacher pour le siège. Donc, ça va détacher le nombre d'hommes nécessaires pour faire le siège. Normalement, c'est un régiment par niveau de fortification. Puis là, on voit ici niveau de fortification 2. Donc, il nous faudra 2000 hommes. Donc, si je clique ça, il devrait me rester 17. Et voilà. Là, on peut aller là en faisant un clic droit. On peut bouger nos hommes. J'ai dit oui. J'ai même pas fait attention. Tver a pas rejoint. Donc, on fait juste assiéger. Donc, là, pour l'instant, on a moins 49% d'avoir le siège. Ce qui est un peu con. Puisqu'on peut pas avoir moins quelque chose de chance. En fait, un emprunt. Bon. Là, on va aller dans l'onglet. Économie, parce qu'on va réduire la maintenance de l'armée pour gagner de l'argent. De toute façon, ça fait juste réduire le moral de nos troupes, puis nos troupes reviennent moins facilement, moins rapidement. Donc là, j'ai divisé en deux, puisque on voyait la petite tête de mort. Il y avait trop d'hommes sur ce terrain. Ce terrain peut avoir, pour la province, avoir 12 000 hommes, tandis qu'on était 15 000, lui peut avoir 16 000 hommes. Donc, je pense que j'ai annexé complètement le Riazan. J'ai-tu d'autres nouvelles? Non, j'ai pas de nouvelles. Décision nationale.
Donc, on attend juste que ça va finir. J'ai oublié de checker à quelle heure on commençait. Oh, ici, tu vois, la tête de mort. Donc là, on est en hiver. Donc, il y a 2% de nutrition. Un hiver normal, plus 5. Donc, ils vont perdre. Oh non, ils perdent 6% de leur âme à chaque mois. Mais bon, là, ça va finir bientôt. Donc, j'ai 14%. À chaque fois que la barre verte va arriver, j'ai 14% d'avoir le siège. Ici, 7%, 14. Tu vois, donc là, je l'ai bien eu. Donc là, ils me remettent des effectifs. C'est des événements qui arrivent assez souvent. Donc là, je prends Riazan. Je retourne mes hommes sur le terrain. Comme ça, ils souffrent pas de nutrition. Ils peuvent reprendre. On voit ici qu'ils ont perdu pas mal d'hommes. Ok, donc je suis à 100%. Donc là, on clique ici, demander la paix. On peut aller aussi ici, demander la paix. Donc, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir cédé une province. Donc, je peux prendre celle-là puis celle-là. Ah, non, mais bizarre, attends, ça me coûte le même prix. Puis, je peux avoir d'autres choses. Mais c'est dans mon cheaté. Les deux vont me donner 6%. Les deux vont me donner 5%. De toute façon, j'ai l'annexe au complet. Puis après, ici, je peux faire ça. Puis avoir 54$ de plus. C'est un peu cheaté. Donc, on peut le faire vassal. Mais bon, ça ne sert pas mal à rien. Nous, on veut l'annexer pour avoir les provinces. Donc, on va ici. Offre de paix, c'est fait 82. Donc, 82% de victoire. Et ici, on a eu 100%. Ça m'a donné 30% de surexpansion. Si je fais annexion complète. Donc Riazan va pas aimer ça, mais de toute façon ils sont annexés. Donc on fait demander la paix. Et voilà. Donc là les pays autour de moi vont moins m'aimer parce que j'ai expansion agressive. À voir si le Danemark ça l'affecte. Oh ouais, un petit peu. Plus il est loin, plus ça l'affecte pas. Ah tiens, lui aussi moins 5. C'est quand même bizarre, ils sont tellement loin. Plus qu'on est proche, ben plus que ça fait. Donc là, on a des risques de révolte dans Toula et Riazan. Donc on va mettre nos hommes là comme ça. Déjà, s'il y a une révolte, ben nos hommes sont déjà là. Puis si. Tiens, je me suis battu sans mettre de général. Ben, ça réduit notre risque de révolte puisqu'il y a déjà des hommes. Donc, vous voyez que ça réduit un petit peu. À Kassima aussi, on a un petit peu de risque de révolte, mais c'est pas grave. Seulement 0,8%. J'ai d'autres décisions. Non. Donc là, si on va checker dans la mission Russie, faut que. Ok, il faut qu'on. En face de Riazan, une province nationale. Donc, on va aller ici, donc dans la section stabilité et expansion. On peut juste aller dans la section province, faire un compte. Moi, je préfère aller ici. Donc, on va corriger. Donc, ici, ça va nous coûter 124 points administratifs. Ici, 47, puisque ici, on voit le pourcentage de surexpansion qui nous donne des effets risque de révolte. Coût de stabilité, tout ça. Donc, vous voyez un peu. Donc là, on clique sur ça. Ça se fait. Ça va prendre 4 ans. Lui, 2 ans. Plus il est petit, moins ça prend de temps. Mais en termes de. Tu vois, lui a 6 de base tax. Donc, ça me donne plus d'argent. Lui en a 3. Ici, on voit le score. Donc, on voit que je suis 40e, 41e. On voit que je suis 15e, 142e et 165e en militaire. C'est sur plusieurs affaires, pas juste le nombre de soldats pour le militaire. Si on va voir pays, comparaison de score, on va aller dans administratif. C'est administratif que j'étais 15e.
Ici. Donc, pour ça fait les provinces. Plus qu'on a de provinces, plus qu'on est bon. Plus qu'on a de technologie administrative, quoi. On a de technologie, plus qu'on est mieux. Revenu, mieux. Prestige, légitimité. Et on a fait. Ah, c'est bon, on a fait un emprunt. On va aller tout de suite le rembourser. Donc, on va dans la section économie. Rembourser l'emprunt. Rembourser. OK. Donc, là, juste, ça va augmenter notre note. D'accord. Oh, ben là, on est rendu à 2,75. Donc, c'est seulement les 10 premiers qui vont recevoir du score. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il faudrait que j'aille au moins 2,87 pour avoir des points. Puis, pour l'instant, je suis à 2,77. 75, excuse. Donc, on va continuer à avancer. Bon, là, on améliore les relations ici. On voudra avoir d'autres revendications, puisque quand on a une revendication sur une place, je vais vous montrer ça plus tard, ça nous met qu'on c'est un peu moins cher. Moi, j'ai comme. Attends, je vais voir. Comme 3 de base taxes. Novgorod, je peux pas faire. Torzhok, j'en ai déjà une. 3. Kargopol, 2. 2. 2. Ok, on peut juste faire. Fabriquer une revendication sur des territoires qui sont collés contre un autre ou dans la même océan, donc partie d'océan. Donc lui pourrait créer. Non, lui. Lui, ici, pourrait créer une revendication sur ça, puisque son, y a un territoire qui touche sur cette mer-là, donc il peut faire une revendication sur tout ceux-là. Mais pour l'instant, nous, on touche pas à la mer, donc c'est juste les territoires proches de nous autres. Ça, c'est utile quand t'es une île, donc imagine Crimée, qui aurait, on enlève Gênes, qui est tellement pas à la bonne place. Gênes qui est normalement là. T'sais, il y a Gênes, Gênes, Gênes et Gênes. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais de toute façon, il dure pas longtemps normalement. Sinon, la guerre de 100 ans, plus 39 pour la France. C'est bon. Lui perd à 39, je te parie, à 40 encore. Juste parce qu'il y a le Portugal dedans. Si c'est occupé par qui? Par un maniaque, France. Oh. Donc, l'obscurantisme a souvent été la réponse à des problèmes variés dans des nombreux États, jusqu'à l'époque des Lumières, voient le jour dans les nations les plus avancées du continent européen. La connaissance est le pouvoir. Obscurantisme, donc on a 2 plus 2 de révolte. L'ignorance, c'est la tranquillité, donc on perd du prestige. Je n'ai pas de risque de révolte, donc on perd du prestige. De toute façon, on en gagne plus 1,51 par année. Donc ça nous prend peut-être 7 ans. Un peu moins. Donc on est au max de nos relations avec le Danemark. Donc là, je vais leur demander s'ils veulent une alliance. Non, ils veulent pas. Mais ils veulent-tu un mariage royal? On va dans dynastie. Mariage royal. Non. Donc, eux, ils voudront pas. À la place que j'améliore de 15 en relation. Donc, si je leur donne un cadeau, ça devrait être correct. Économique. Oh, de prêt, ils veulent-tu un accès militaire? Non, pour un intérêt stratégique. C'est assez bizarre qu'ils veulent pas mon accès. S'il te plaît, reviens plus vite parce que sinon. Ok. Off. Oh non, envoyez un présent pas off de près. T'es de 10, de 15. Je lui ai envoyé 50. Bon, là, tu veux t'allier? Oh non, il m'en faut 5 de plus. Peut-être si. Peut-être il me faut peut-être pas de 5 de plus. Peut-être juste attendre un an. Relations, influence, coalition.
Je regardais voir si je peux les aider. Je pourrais, s'il y aurait des rebelles, je pourrais les aider. Ah, mais j'ai pas de bateau, je peux pas aller là. Lancer un embargo. Subvention de guerre. Son guerre contre personne de votre province. Puis il y aurait les accès militaires, mais ils veulent pas. Donc, on va attendre que une année, le temps, ben, jusqu'en janvier, pour qu'ils nous allient. Eux autres voudront jamais être alliés avec nous autres. Pologne peut-être, mais. Je sais que normalement, Pologne va avoir Lituanie, donc ça pourrait être correct. Donc, on va attendre ça à la fin de l'année ici. En attendant, on va faire ça. On va aller améliorer la relation avec les autres, voir si vous avez une alliance. Ouais, donc 47. C'est bon. De toute façon, il faut attendre un peu que ça réduise pour comprendre le plus de territoire de Novgorod. Donc, on a aussi conquis des provinces de notre. Ok, donc ça aussi, il faudrait qu'on ça augmente. Donc là, pour l'instant, il faudra attendre 2 ans à peu près. Puis après, ben là, on pourra améliorer la relation puis faire une alliance avec eux autres. Donc, pendant ce temps-là, on fabrique une revendication. Je vais juste aller voir, on est rendu à combien de temps? Qui est peut-être 30, on est peut-être à 20 minutes. Donc le temps que ça se fasse puis qu'on améliore la relation, je pense qu'on va se laisser ici pour cet épisode. Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. Laissez un pouce vert si vous l'avez aimé. Je m'excuse pour l'épisode tuto que ma voix était pas assez forte comparée au son. Mais bon, le son il était au minimum, donc j'ai enlevé la musique. Pourtant, c'est une bonne musique, donc moi ça me fait un peu chier, comme on pourrait dire. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir quand les prochains épisodes vont sortir. Prochain épisode, on va attaquer Novgorod. Oh, ben tiens, on a tout là qui est rendu une province nationale. Donc là, on devrait plus avoir prendre encore des révoltes ici. Qu'on va laisser nos hommes. En guerre contre Safar, Aragon, Naples et Bretagne. Attends, ça va être en guerre contre qui? Lituanie, Jeanne et Castille. C'est-tu Castille qui est allié? Allié à Jeanne. C'est genre Jeanne qui est en guerre. C'est qui occupe ça? Occupé par Naples. Naples est venu jusqu'ici pour attaquer. C'est ton Aragon se fait attaquer par Castille. C'est qui a déclaré la guerre? Ah, ça pourrait être Naples pour avoir Corse puis Liguria. Mais bon, c'est tout pour cet épisode. Donc je vous dis à la prochaine.